ma tête de rame est dans la rue. C'est aussi moi que t'as nous. Faut que ça sourie. Promenons-nous dans les waves. C'est des mots de mourir. Vous avez vu ça? C'est en s'en allant de Bastille pour se rendre au but de Chaumont. Quand on bat sur une morille qui poussait au travers le goudron. Et de peur qu'on ne nous repère, car la cueillette est interdite. Veuillez nous pardonner, mon père, mais on l'a mangé tout de suite. Gare aux morilles, car si la morille est connue pour être un champignon magique, la principale de ses vertus, c'est de rendre les femmes hystériques. Elles vont toutes se jeter sur vous, nous dit une passante affolée. Cela vous donne un charme fou. Faut dire que c'était pas gagné. Gare aux morilles. Alors on croise une pervenche qui dit qu'elle n'a pas de culotte, tant qu'on l'attrape par les hanches. Mais elle nous passe les menottes. Elle déboutonne sa chemise et nous laisse entrevoir les clés et les yeux pleins de gourmandise. Elle nous dit qu'on peut s'arranger. Gare aux morilles. C'est à la sortie de l'école, en déposant ses deux enfants, qu'une jeune mère un peu frivole nous montre ses sous-vêtements. Sans se soucier de notre avis, elle nous dévoile sa dentelle. On lui demande merci Q, merci Jackie et Michel. Gare aux morilles. Puisque madame la commissaire nous attendait dans son bureau, que sur une erreur judiciaire elle nous a filé le barreau. On se retrouve par malheur enfermé dans une cellule, visité par la procureure qui nous demande qu'on la remorie. Alors la juge au tribunal, sourire complice et détendu, d'un regard qu'aucun nous condamne, disant à honorer son cul. Et voilà qu'elle se met de dos, qu'on exécute notre peine. Allez, allez, tous au boulot. Regarde comme la justice est belle. Gare aux morilles. Sous les effets du champignon, comme des gangsters en cavale, on se dirige vers Matignon, voir la femme de Manuel Valls. Elle nous implore et nous supplie, punissez-moi car je convulse. On lui dit tout ça ma jolie, c'est pour les robes que t'expulses. Gare aux morilles. Dans l'arrière-cour de l'Elysée, habillée comme une tulipe, nous attendait Julie Taillé, telle une savoureuse pipe. Et voilà qu'elle en redemande, elle veut des morilles au kilo. Oh ben non les gars, on va pas mettre dans la même phrase François Hollande et Libido. Car